Je vais donc introduire ce séminaire de génétique clinique. Je suis extrêmement ravi de vous accueillir sur Angers. Je remercie vivement le comité d'organisation, en particulier, donc c'est un séminaire qui est organisé conjointement par l'Association française de génétique clinique que préside David Geneviève, et puis la très très nouvelle société française francophone de neurogénétique que préside Alexandra Dur. C'est deux sociétés qui co-organisent ce séminaire, et donc le thème est forcément neurogénétique et mitochondrie, puisqu'on est à Angers. Les équipes de génétique, Vincent Procaccio et moi-même, de neurologie, Christophe Verny et Julien Cassereau, de biochimie, Delphine Prunier et Pascal Régnier, Mitovasque que dirige Guylaine Aert, on est particulièrement contente de vous avoir ici. On est très nombreux pour un séminaire et je m'en réjouis. Je remercie le CHU, M. Pouillard, auquel je vais donner la parole, de nous avoir aidés également, l'université et la Fédération hospitalo-universitaire Génomède, que dirigent Sylvie Audan et Stéphane Béziot, qui nous ont aidés. Et je remercie évidemment très très vivement tous les sponsors des laboratoires, les associations et tous ceux qui ont participé et qui sont présents ici et auxquels il faudra que vous rendiez visite. Je les remercie très très vivement et je donne tout de suite la parole à M. Pouillard, qui est le directeur adjoint de notre CHU et qui va nous dire un petit mot. Merci M. Pouillard.